le ski de fond, c'est l'avenir. Et ben, Robin Duvillard, skieur de fond, ex-athlète, on va dire, en équipe de France pendant de longues années, aujourd'hui retraité international. Et... le meilleur souvenir de ma carrière, je pense quand même que c'est la médaille olympique à Sochi, évidemment, parce que c'est quelque chose que... l'aboutissement un peu d'une carrière. Après, il y a quand même beaucoup d'autres bons souvenirs, mais celui-là sort un petit peu du haut. Villard de l'an. Eh ben, j'aime beaucoup les deux, mais je crois que j'aime un peu plus le classique que ce que le classique ne m'aime. Donc, dans ma carrière, quand même, c'est beaucoup ce qui m'aime. Fun. Le ski de fond, c'est l'avenir. Oula, mes projets de l'hiver, ça va dépendre de si j'arrive à m'affûter et si j'arrive à m'entraîner un petit peu pour me mettre suffisamment en forme pour envisager de gagner quelques courses. Et dans ces cas-là, il y aurait potentiellement un départ sur la foulée blanche. Peut-être la tranche jurassienne pour essayer de la gagner une troisième fois. Ça, c'est le côté un peu utopie. Mais et puis un autre projet avec un copain trailer, mais je peux pas encore en dire plus. C'est un secret. Souvent excessive et à d'autres moments un peu inexistante parce que j'ai besoin. Je suis quelqu'un de très justement excessif qui aime bien faire beaucoup et après rien. Beaucoup et après rien. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'est ma seule façon de faire. Donc à des moments, je fais le moine, et puis à d'autres moments, je fais le porc.